אולי נשמע את זה מה שיש לך. מה שגבר מסוגות. אוקיי, אז קצת את המירדה של המדרגות. זה יותר חורק? לא, זה שיש. לא, זה שיש. אין, זה עץ. זה עץ. זה כבר יודע בדיוק את העוצמות המדויקות של כל דבר הוא עושה. אה, זה סוף הריל הזה, זה בריל הבא. זה בעיה לעבור גלגל? לא, לא. זה לא נשמע, זה לא... יש לכם אולי גם איזו חתיכה קטנה של עוגת שוקולד קטנה. Sept jours, c'est l'histoire d'une famille qui reste enfermée pendant sept jours. Il se passe beaucoup de choses pendant ces jours-là. Les gens qui commencent à s'engueuler, il y a des conflits, il y a des tensions qui montent. Et finalement, il y a le conflit qui monte et peut-être un petit apaisement. Est-ce qu'on peut parler d'un symbole un peu de la société israélienne? C'est un pays qui est né devant la caméra. C'est-à-dire, on est très bien filmé, entre guillemets, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. L'État d'Israël, elle est face, elle est là, devant le monde entier, à tout ce qui se passe, bien sûr, le conflit qui est au centre de toutes les choses. Et, mais on ne se connaît pas vraiment la société israélienne. Donc comment, effectivement, le changement d'une société se reflète dans le changement de cinéma israélien? C'est incroyable ce qui se passe là, que parce que par culte, au niveau culturel, il y a une renaissance incroyable et il se passe des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'on a mis un peu à côté la vision politique dans notre histoire culturelle, malgré que ce n'est pas ça. Même nous, quand on est là dans un café, on prend notre café, c'est-à-dire que ça a l'air calme, mais ce n'est pas calme. C'est pas calme. Et ça, il faut dire, ça fait partie de la situation. C'est-à-dire, même si on tourne un film en Israël qui parle de relations de deux personnes jeunes qui prennent un café ou qui discutent dans un café, ça peut exploser d'une minute à l'autre. Le cinéma israélien commence à découvrir tout un paysage intérieur, un visage qui est beaucoup plus porté vers des portraits d'individus. Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire, on peut dire que le cinéma israélien est devenu beaucoup plus féminin. L'Union européenne est en train de soutenir des coopérations dans la région entre Israël, Turquie, Palestine, les autres pays de la région. Il y a des soutiens financiers. Et je me demande, est-ce que c'est quelque chose d'artificiel de mettre ensemble tel ou tel metteur en scène, de trouver vraiment une coopération dans la région, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut servir vraiment pour se mieux comprendre? Ah ben, vraiment, je crois que ça peut vraiment servir à des choses positives. Vraiment. C'est-à-dire, les gouvernements, ils n'arrivent pas à le faire. Ça reste à nous, quoi, finalement. Les gens dans la rue, les gens artistiques qui peuvent créer un lien, un vrai lien de conversation. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin, nous? On a besoin de parler, pas plus que ça. Mais de parler d'une manière simple, simple, avec des mots qui vient avec de l'amour, pas avec des mots des peurs, c'est ça. La paix nous demande quoi? Il nous demande des paroles, des paroles simples. Un homme, une femme, un homme devant un homme, deux femmes, tout simplement, qui s'assoient ensemble, qui part, quoi, avec les yeux ouverts pour accepter l'autre comme il est. Comme il est. 60 ans après la création de l'État d'Israël, je me demande où on est aujourd'hui dans cette société. Quelle vérité intérieure on peut retrouver via vos films? C'est trop difficile de naître dans un pays de guerre et de grandir dans un pays de guerre et de se vieillir aussi dans un pays de guerre. Que le changement n'est pas là. Tout ce qu'on fait vient de cette mélange qui est ni la paix, ni la guerre, ni le noir, ni le blond. Quelque chose au milieu, c'est une sorte de cauchemar, si vous voulez. Et si vous voulez vraiment le cauchemar que ça pas empiré, c'est-à-dire le rêve que ça améliore et le cauchemar que ça pas empiré. La situation ne va pas aller au pire et en pire et en pire, parce que ça peut aller en pire.
Et cela pose justement la question pour une artiste, quelle relation entre politique d'une part et l'art d'autre part? Moi, je sens que j'ai une responsabilité de raconter à travers mon âme et mon corps et mon esprit et ma connaissance toute la société telle qu'elle est. C'est-à-dire la situation absolument politique et la vie personnelle qui fait partie de la situation politique. Comme je disais avant, on ne peut plus séparer. J'ai l'impression que le cinéma israélien est très influencé, vous me corrigez si c'est faux, mais très influencé par les documentaires. Est-ce que c'est un risque d'être très très rattaché à la réalité, à des histoires réelles, personnelles? Le succès pour le cinéma israélien a commencé au moment où les gens ont commencé d'une manière documentaire filmer les choses, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, quoi, ce qui se passe dans la rue et dans les personnages, dans les personnes. Ça reste quand même des histoires intimes, mais l'Europe aussi raconte des histoires très intimes. Peut-être c'est ça le point commun donc, pour le cinéma israélien et le cinéma européen, cette enquête, cette recherche de l'intimité. C'est notre point commun, absolument. La pays elle contient 6 millions de personnes, habitants, et il s'agit de 15 ou 20 cultures différentes qui viennent du monde entier et qui vivent d'une manière très accessible et très intime l'un avec l'autre. C'est-à-dire que dans un immeuble, un simple immeuble à Tel Aviv, je peux rencontrer un géorgien, palestinien en rêve, mais de temps en temps, voilà, roumanais, marocaine, polonais, russe, quoi, tout le pays, quoi. Ça, c'est une richesse quand même extraordinaire qui nous permet de raconter des histoires à travers ces gens-là. C'est une culture riche.